Salut les amis, c'est Sendo. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, deux choses. Tout d'abord, un très très grand merci pour l'accueil de la première vidéo. En même pas 3 jours, elle a déjà fait près de 130 vues. Il y a déjà 40 personnes qui sont abonnées à la chaîne. Et vos retours étaient très sympathiques et très encourageants. Alors, désolé pour le son, parce que le crétin que je suis n'avait pas compris comment fonctionnait ce micro, en fait. Deuxième chose, le commentaire de Vivien Abadi m'a fait remarquer que j'ai oublié de parler du combat de Jermell Charlo contre Brian Castano. C'est vrai que j'ai complètement oublié d'en parler. C'était un grand combat. Vraiment grand combat de boxe. Très intéressant tactiquement, techniquement, avec des moments épiques. Mais je trouve qu'il manque que. Il n'y avait pas la grosse intensité qu'on a eue sur d'autres combats, notamment celui du top 5, et qu'il y avait beaucoup de temps mort. Donc voilà, à retenir. Un des événements de l'année. Mais c'est pas un combat de l'année. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des boxeurs de l'année 2021. Mais avant, je souhaite faire une parenthèse espoir de l'année. Donc dans les espoirs de l'année, je mets le Britannique Lee McGregor. Boxeur britannique qui s'empare du titre EBU face à Karim Gersfi en début d'année, qui a défendu face à Vincent Legrand durant l'été, si je me souviens bien. Puncher spectaculaire, catégorie poids coq. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous donner. Mention honorable pour Israel Madrimov dans la catégorie des super welters. Il a aussi gros potentiel. Il me semble que c'est un Olympien. Il avait battu en début d'année un autre espoir de la catégorie des légers, un Congolais dont j'ai oublié le nom, qui était sur un lancer de 14 combats, 14 victoires, 14 KO. Donc assez impressionnant. Pas que des cas d'or, mais assez impressionnant. Il l'a battu en 10 rounds, au point en 10 rounds. Puis il clôture l'année le 17 ou 18 décembre face à notre Français Michel Soro, un vétéran de la catégorie, dans un combat qui était dans mes mentions honorables combat de l'année. Bon, alors bien sûr, la fin du combat, c'est un scandale indéfendable. Mais ça reste quand même une grande performance de Madrimov. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il aurait quand même gagné ce combat, même sans cette décision arbitrale scandaleuse. Donc voilà, je pense que c'est le futur roi de la catégorie. Il est à surveiller, vraiment. Aussi, autre mention honorable dans la catégorie des poids moyens, il y a Jem Mongia, ancien champion du monde, donc ça peut paraître un peu illogique de le mettre dans les espoirs, mais il est dans une nouvelle catégorie, et je trouve qu'il est encore assez jeune pour qu'on le place dans les espoirs de cette caté. Il s'est imposé comme dans le top 5 de la catégorie, battant Kamil Zremeta, ancien challenger de Golovkin, et Gabriel Rosado, qui a une carrière incroyable, qui reste encore et toujours un challenger très compétitif, très dangereux. Et j'en ai ra très rapidement parlé dans les combats de l'année aussi. Donc aussi très belle année, et je pense qu'il va faire très très mal dans cette nouvelle catégorie. Et pour terminer sur les espoirs de l'année, inévitablement, Jaron Ennis et Virgil Ortiz Jr. chez les poids welter. Ces deux-là, ce sont les futurs rois de cette catégorie, les futurs pound for pound king également. Et alors, je pense pas que ça arrivera tout de suite, loin de là, mais j'ai hâte qu'un combat entre ces deux-là arrive. Donc voilà pour ce qui est espoir de l'année. Donc maintenant, les mentions honorables, boxeurs de l'année. Tout d'abord, en mention honorable, j'aimerais parler d'un boxeur dont presque personne ne parle, qui me semble est pas très connu. C'est le Britannique Leigh Wood, boxeur dans la catégorie des featherweight, donc qui commence l'année en se réemparant du titre britannique face à Rhys Mould. Un beau combat avec un KO mais incroyable. C'était en sous-carte de Warrington Lara 1. Donc gros combat et énorme KO. Et qui ensuite en août s'est frotté au champion WBA World, donc le demi-titre mondial, Kan Xue. Donc le seul chinois qui est dans un top 10 de Ring Magazine.
dans un très beau combat que je vous invite à revoir, vraiment très agréable à regarder, très plaisant à suivre, qui se termine avec encore une fois un magnifique KO au 12e round, à 20 secondes de la fin. Donc il s'est imposé dans la catégorie des Featherweight qui devient de plus en plus attractive et excitante à voir, avec Emmanuel Navarrete, avec Leigh Wood, avec le duel Warrington-Lara. Dans quelques semaines, le combat entre Gary Russell Jr. et Mark Maxayo. Donc vraiment, c'est une catégorie qui est vraiment super aujourd'hui et que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous donner. Autre mention honorable pour Brian Carlos Castano, qui fait deux énormes combats et qui s'impose comme le numéro 2 de la catégorie, incontestablement, de la catégorie des super welter, qui est incroyable, en battant un mec qui était numéro 4 de la catégorie à ce moment-là, à savoir Patrick Teixeira, qui surclasse complètement, même si je l'ai déjà dit, ça reste un super combat que je vous invite à revoir également. Et qui fait un match nul qui, pour moi, il n'y a pas scandale. J'avais aussi match nul sur un scorecard face à Jermell Charlo, qui est le champion, qui est le roi incontesté de la catégorie, dans un très gros combat qui peut être aussi mentionné dans les combats de l'année. Donc, aussi, grande année pour lui. Également, Devin Haney dans la catégorie des lightweight, qui fait une super année, qui fait une très belle année. Je dois quand même le reconnaître, hein. C'est pas un secret, je n'aime pas du tout Devin Haney. C'est un boxeur dont on a beaucoup à apprendre d'un point de vue boxe, mais que personnellement, j'arrive pas à regarder ses combats. Personnellement, il me fait chier. Mais je dois quand même reconnaître que c'est un excellent boxeur et que c'est quand même celui dans les 4 stars des lightweight qui a pris de l'avance sur cette année en prenant une légende de la boxe du Venezuela, à savoir Jorge Linares, champion en 3 catégories et qui a dominé les poids légers durant toute une partie de sa carrière, durant une bonne partie des années 2010. Et face à Joseph Jojo Diaz en début décembre, ancien champion du monde IBF des 130 livres, alors c'est vrai qu'on avait vu les limites de Jojo Diaz en poids léger, mais ça restait un sérieux client et il s'est magnifiquement débrouillé. Voilà, c'est une victoire sans bavure. Dans les dernières mentions honorables, Juan Francisco Estrada et Romain Chocolatito González. En dehors de leur combat, ils n'ont rien fait. Ils sont restés inactifs durant tout le reste de l'année. Mais faire un combat d'une telle qualité, un combat aussi légendaire, pour moi, rien que ça mérite d'être mentionné dans les mentions honorables des boxeurs de l'année. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc. Cinquième position, nous retrouvons une légende ukrainienne, l'une des plus grandes légendes de la boxe ukrainienne déjà. C'est Vassili Dematrix Hidek Lomachenko. C'est un des comebacks de l'année parce qu'il avait quand même subi sa deuxième défaite en carrière face à Teofimo Lopez. Et il fait un retour extraordinaire. Il prend les deux derniers adversaires de Teofimo Lopez avant qu'il ait pris avant Lomachenko. Et il sort des performances incroyables, tout simplement. Vraiment incroyables. Contre Masayoshi Nakatani, pardon. Junto, il est bien plus bas en poids. Donc Masayoshi Nakatani qui avait tenu les 12 rounds face à Teofimo Lopez qui avait signé une autre grosse performance l'année 2020. Et Lomachenko qui l'arrête au 9e round. Une pure masterclass. Nakatani, malgré son courage incroyable et son physique très atypique, il a rien pu faire. Donc, énorme performance de Lomachenko. Et le 11 décembre, il affronte le numéro 5 de la catégorie à ce moment-là, Richard Comey, ancien champion du monde. Qui est vraiment sous-coté parce que c'est un boxeur très spectaculaire qui a du punch, qui est très très bon techniquement et qui a un cœur énorme.
Et il l'a montré en tenant les 12 rondes face à Lomachenko. C'est pas tout le monde qui peut s'en vanter, de s'en vanter. Alors que il a subi des roues. Il a subi une masterclass quoi. Il a subi une masterclass mais... incroyable. Il a été au bord du chaos à plusieurs reprises, mais il a quand même tenu. C'est une belle performance de Richard Conway qui rend la performance de Lomachenko encore plus grande. Voilà. Donc, Lomachenko se réinstaure comme étant le roi sans couronne incontestable de la catégorie des lightweights. Donc, voilà, pas grand chose à dire de plus. Passons au numéro 4. En numéro 4, champion, l'un des champions unifiés de la catégorie des 122 livres, qui est une catégorie légendaire, Stephen Fulton se retrouve en numéro 4. Il commence l'année en prenant le titre WBO face au champion du monde Angelo Leo, qu'il avait récupéré. Alors, c'était un titre vacant laissé par Emmanuel Navarrete, qu'il avait récupéré face à un mec dont j'ai oublié le nom, c'était. En août 2020, ouais. Donc Angelo Leo qui reste quand même numéro 5 de la catégorie pour Ring Magazine. Et qui, et ben les deux nous ont fait un super combat avec un Leo qui fait un 4 premiers rounds excellent. Et puis un Fulton qui domine sur le reste du combat. Aucun des deux n'a été mis en danger d'être mis KO dans ce combat là, c'est sûr. Mais c'était un super combat. Et, combat très technique, très intéressant à voir. Grosse performance de Stephen Fulton qui devient champion du monde, puis qui le 27 novembre qui unifie avec la ceinture WBC de Brandon Figueroa, qui lui-même sortait d'une énorme performance et d'un énorme chaos face à Luis Neri, qui Luis Neri pour moi restera quand même un regret. Alors il est encore jeune, ce dernier n'a que 27 ans, mais il aurait pu être un grand champion des poids coqs et il aurait pu être légendaire vraiment. Mais je pense que c'est un petit peu râpé pour lui. Du moins, il n'aurait pas pu être aussi. Je pense pas qu'il sera aussi légendaire que ce qu'il aurait pu être avant. Mais enfin, bref, je digresse. Revenons à Brandon Figueroa, qui. Enfin, à Stephen Fulton surtout, qui bat Brandon Figueroa dans un dogfight que j'ai cité dans mes combats de l'année. C'était. Voilà, c'était un magnifique combat. Que Fulton. C'était un combat serré, certes, mais que pour moi, Fulton a. Clairement dominé techniquement, il est bien meilleur boxeur et qui pour moi a eu quand même plus de caisses dans les championship rounds qui lui a permis de pour moi remporter ce combat. Donc il s'instaure comme étant le roi de la catégorie des 122 livres et j'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir par la suite. Peut-être une unification totale face à Akhmadaliev. Champion WBA et IBF de la catégorie, voire pourquoi pas un combat contre le roi des poids coqs, Naoya Inoue, ce qui est probable. En tout cas, bel avenir pour lui. Et sur cela, passons au numéro 3. Et donc en numéro 3, nous retrouvons le numéro 2 Panzer Panda Ring Magazine et le champion unifié des poids lourds, Alexander Usyk. Alexander Usyk qui fait la performance de l'année 2021, assurément, en battant chez lui, au point, la méga star des poids lourds, Anthony Joshua, dans un combat que j'ai mis numéro 2 de mes combats de l'année. Donc tout cela fait pour moi de Usyk le numéro 3 des boxeurs de l'année 2021, sans problème. Donc pas grand chose à dire de plus, passons au numéro 2. Canelo Alvarez se retrouve à la place de numéro 2. J'ai énormément hésité à le mettre numéro 1. Hier j'avais déjà tourné cette vidéo et je le mettais numéro 1. Mais j'ai pas mal réfléchi et finalement je le mets numéro 2. Pourquoi ? Ben il unifie toutes les catégories. Il reste à sa place de numéro 1 Fight for Pound selon Ring Magazine. Mais il sort de beaux combats, il sort de grandes performances, que ce soit contre Sanders ou Caleb Plant. Le combat contre Eldirim, ça compte pas, hein,
l'adversaire ne valait pas grand chose, mais Bill Joe Saunders et Caleb Plant, c'était des clients emmerdement pour un Canelo qui l'a dominé et qui l'a arrêté d'une façon très très violente, surtout Caleb Plant. Donc il démontre le niveau réel de la catégorie. Il l'avait déjà démontré en 2020 contre Callum Smith. Et il démontre le niveau réel, il bat par KO tous ses trois adversaires. Donc il fait ça dans des gros événements. Dans le Billy Joe Saunders, c'était un combat qui était très attendu. Et Caleb Plant, c'était un combat en pay-per-view. Et ce qui est important, c'est que la même soirée, à peu près au même moment, il y avait une grosse soirée UFC avec Kamaru Usman, qui est numéro 1 toute catégorie confondue à l'UFC, face à Colby Covington, qui est une star de l'UFC. Donc un gros combat, qui était une revanche d'un combat très spectaculaire, c'était une revanche attendue. Le pay-per-view de Canelo était à 70$, si je me souviens bien, et celui de Kamaru Usman, Colby Covington, à 60$. Et si je me souviens bien des chiffres, Kamaru Usman et Colby font entre 600 et 700 000 paper achats, et Canelo il fait 800 000. Donc c'est quand même assez impressionnant. C'est une grande victoire d'un point de vue pay-per-view sur l'UFC, ce qui est assez rare ces derniers temps en boxe, par rapport à la boxe sur la guerre des pay-per-view entre la boxe et l'UFC. Donc tout cela fait pour moi de Canelo le numéro 2 des boxeurs de l'année. C'est le boxeur de l'année pour Ring Magazine. Et j'étais d'accord, mais j'y ai bien réfléchi. Et le numéro 1 pour moi. Encore un argument pour la légende absolue qu'est Nonito Donaire. Le deuxième plus grand boxeur philippin de tous les temps, assurément, juste derrière Manny Pacquiao. Et qui nous fait une grande année. Il commence l'année en mai, donc déjà à la mi-année, face au champion WBC des poids coqs, catégorie incroyable. Il commence face à un champion qui était très respecté. Champion français qui était très respecté, qui était numéro 3 ou 4 de la catégorie à ce moment-là, donc c'est quand même assez. C'était quand même un sérieux client qui avait le profil pour emmerder un Donaire. Et ça fait un très très beau combat, hein. On retire beaucoup le KO, mais c'est aussi oublié le super combat qu'ils nous ont donné. C'est vrai que c'était. En fait, il y a deux. Il y a le début de combat qui est assez one-way pour Nordin. Mais après, c'est Donaire qui s'ajuste, qui donne pas beaucoup de coups, mais qui est pas très actif, mais c'est volontaire, il s'ajuste. Et troisième, quatrième round qui sont clairement et indiscutablement one-way pour Donaire. Qui passe un KO, mais qui fait très très mal à Nordin. Qui déjà à la fin du troisième round passe. Un knockdown meurtrier et qui, au terme d'un quatrième round, quand même assez spectaculaire, hein, parce que Nordin est allé à la guerre. Ce qui était un peu idiot, hein, il le reconnaît lui-même, il a manqué de lucidité là-dessus. Qui va à la guerre, mais qui, face à Donaire qui est frais, face à un Nordin qui ne l'est plus, et un Nordin qui subit un gros KO face à Donaire. Donaire qui redevient champion pour la troisième fois dans cette catégorie. À 38 ans, alors peut-être à vérifier, mais je crois que c'est quand même le plus vieux champion, le plus vieux à redevenir champion du monde dans cette catégorie, ce qui est très impressionnant. Et il défend ce titre 11 décembre face au champion WBC intérim, qui était un grand espoir et qui, à mon sens, est toujours un espoir de la catégorie des poids coqs. Son compatriote Remart Gabayo, dont son dernier combat était très controversé. Moi-même j'estimais que c'était face à Emmanuel Rodriguez, et moi-même j'estimais que Gabayo avait perdu ce combat.
mais ça reste un boxeur impressionnant, très explosif, donc qui pouvait poser des problèmes à Donner. Gabayo s'est montré sur le ring avec le bon gameplay, enfin avec plus mesuré que d'habitude, ce qui était une bonne chose, il s'est pas précipité. Mais malgré ça, Donner, il lui place un coup au corps qui fait très très mal. Et autre KO très impressionnant. Et donc je reparlerai de ces deux KO dans la vidéo KO de l'année. Mais c'est très très impressionnant. Il se réinstaure comme étant le seul challenge pour Naoya Inoue, à mon sens. Il démontre qu'il y a un niveau d'écart entre lui et le reste de la catégorie, ce qui pour moi est un argument très important. Et voilà, tout cela fait pour moi de Nonito Donner le boxeur de l'année 2021. Et ce sont sur ces mots que je conclus cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, hein, le pouce bleu et le commentaire qui font toujours extrêmement plaisir. Et encore un immense merci pour l'accueil de la première vidéo. J'espère que celle-là sera encore meilleure. Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et salut !